Bonjour à vous mes éclats d'élégance qui me suivez de manière magique et harmonieuse, telles des lumières sublimes et délicates. J'espère que vous allez tous très bien, il est 16h, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Planet Coaster. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé sur Planet Coaster, surtout après le dernier contenu que je vous ai proposé sur le jeu, c'était en live, souvenez-vous. Et aujourd'hui on est pour une nouvelle vidéo sur Planet Coaster pour vous montrer les avancées de mon parc Emco Park. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que j'ai voulu recommencer à zéro Planet Coaster, je l'avais dit en live justement, le but c'était de repartir en mode carrière. Et j'ai abandonné très vite parce que le mode carrière, il n'y a rien de plus frustrant, d'autant plus pour moi, je pense pour beaucoup d'autres personnes également, mais c'est très frustrant étant donné que tu peux pas faire tout comme tu veux, tu ne peux pas recommencer, tu perds tout le temps de l'argent constamment et c'est terrible. Du coup, même à un moment donné, j'étais lassé et j'ai arrêté de jouer à Planet Coaster. Et là, je viens de dépasser les 100 heures de jeu et je suis très content. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Et j'ai fait beaucoup de modifications qui font plaisir. Déjà, juste un petit truc majeur. Une petite modification mineure. Donc ça, c'est la place, on va dire, principale. Souvenez-vous, là, on a l'entrée là-bas. J'évite de trop tourner la caméra, vous allez comprendre pourquoi. Hein. Mais donc là il y a la cascade d'eau, là c'est la nouvelle attraction aquatique. Et ici ça va être un petit peu la place centrale. Vous entendez des attractions derrière, ne vous inquiétez pas. Alors là, modification que j'ai apportée, j'ai ajouté l'enseigne Far Cry ici. Également là, puisque le nom de l'attraction c'est Far Cry, souvenez-vous. Je peux pas vous le montrer. Voilà, Far Cry. Et un truc que j'avais pas pensé, j'ai ajouté de la fumée rouge. Parce que ceux qui connaissent Far Cry 6, vous aurez la ref. Mais cette voiture, tout l'ambiance Far Cry plus la fumée rouge, que d'ailleurs j'ai ajouté également ici, ben là on est vraiment dans l'ambiance Far Cry, voyez-vous. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc voilà, ça c'est pour la petite modification mineure. Autre chose, on va aller dans la zone pirate. Là on va dans la zone pirate. Avant même d'entrer dans la zone pirate, eh bien on peut constater qu'il y a ici une nouvelle attraction. Je suis content et mitigé à la fois. On va faire un on-ride dans cette vidéo, je vais vous expliquer. On va y aller après. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui pour le moment. Enfin, c'est pas tout de suite. On revient en arrière. Et voyez-vous ce qui se passe. On a les attractions de la zone future qui se retrouvent ici dans la place principale. Comme vous pouvez le constater. Et là, je vais faire le reveal où tout le monde va crier. 3, 2, 1. Bah, il n'y a plus de zone future. Il n'y a plus de zone future. J'ai fait cette décision, j'ai pris la décision, j'ai du mal à la prendre et en fait je suis content et j'ai bien fait. Donc là souvenez-vous, tout était noir, hein, il y avait de l'asphalte absolument partout, des attractions à droite à gauche etc. et pas trop de déco. Et c'est vrai que certains m'ont dit que c'était vraiment moche et ça partait d'un coup de tête et j'ai bien réfléchi et j'ai bien fait. J'ai tout supprimé et décalé ce qui fonctionnait pour garder que le meilleur. Et du coup on se retrouve finalement avec non pas une zone future mais une ambiance un peu espace. Une ambiance univers, mais sans pour autant que ce soit toute une grande zone futuriste. Et ça c'est cool, parce que du coup, l'attraction dont je suis le plus fier, à savoir Objectif Mars, comme je l'ai appelé, et qui n'a pas de rapport avec l'attraction au Futuroscope, eh ben j'ai pu, donc j'ai supprimé l'autre grande attraction, et j'ai pris ces éléments de déco que j'avais fait pour les mettre dans Objectif Mars. Et on se retrouve avec quelque chose de bien sympa, je vais tout vous montrer. Dans un premier temps, on va prendre donc ce petit chemin ici, donc un petit chemin bon enfant, voilà, là il y a un petit carrousel, des petites fleurs. J'ai ajouté des toilettes ici, dans cette petite colline, si on peut appeler ça comme ça. Sur la gauche, vous pouvez voir donc les deux attractions. On va y venir après parce que je suis content, j'ai fait des automations et tout. Mais là, on va arriver ici. Avec, bon, à droite, le Mexcellent. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait, donc. Ça, c'est moi qui ai réalisé, donc, les boutiques. Ici, pour ceux qui connaissent Minecraft, est-ce qu'on dirait pas le portail de l'End pour aller au Stronghold? Je me suis fait un petit kiff. Pareil ici, donc ça donne vraiment l'impression que t'es dans le vide. Et bien sûr, on n'est pas dans le vide. Hein. Voilà. Donc j'ai gardé ces éléments de déco que j'ai fait, parce que j'étais assez content. J'ai refait un petit peu la zone pique-nique, entre guillemets, qui était pas utilisée, et résultat, les gens l'apprécient un petit peu plus. Parce que c'est quand même un peu plus vivable, on est bien d'accord, c'est quand même plus sympa, plus joli à voir. Là, on a l'entrée d'Objectif Mars, donc à droite. Et là il y a la sortie, là c'est l'entrée, là il y a la sortie, c'est pour ça que j'ai mis les petites barrières en rouge pour pas que les gens se mélangent. J'ai rajouté quelques petits éléments de déco en plus mais pas grand chose. J'ai ajouté ce kleps et ici j'ai rien retouché à part là les rangées de casques.
La traction fonctionne très bien, j'ai pas fait de modification. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on refera un on-ride dans une prochaine vidéo si vous êtes chaud. Et pour le chemin arrière, je me suis dit, ça peut être sympa de. Parce qu'en fait, le chemin arrière, le retour, bah du coup, comme il n'y a plus d'allée ici, qu'il n'y a plus rien, en fait, il n'y a plus de zone, bah le chemin est long. Le chemin est long. Donc du coup, je l'ai agrémenté tout simplement ici. Donc là évidemment on passe en dessous d'attraction, mais je l'ai agrémenté avec, voilà, souvenez-vous, ces éléments là que j'avais placés, c'était pour la file d'attente de l'autre attraction qu'il y avait précédemment qui n'existe plus. Donc là les gens peuvent passer par là et vous voyez c'est habillé le temps de repartir et voilà, tu reviens ici et c'est plutôt pas mal. À noter que j'ai ajouté une automation ici avec le canon orbital, donc dès qu'il y a un carte, dès qu'il y a un wagon qui passe, donc attendez, hop, le temps que ça arrive... Là, il y en a un qui va arriver, là, je le vois ici. Là, voilà, donc là, lui, il arrive. Et donc là, le canon. Voilà, c'est sympa parce que les gens, ils passent en dessous, donc c'est assez amusant. Donc, vous voyez, déjà, ça a beaucoup plus de vie. Du coup, la file d'attente est beaucoup plus longue. Par conséquent, le chiffre d'affaires est beaucoup plus important. Les gens sont contents, les décos, c'est à 100%. Là, on est sur quelque chose de très, très, très optimal et j'en suis pas peu fier. On est vraiment... Vous voyez, en fin de compte, c'est plus une zone futuriste ici, c'est juste la zone pour l'attraction Objectif Mars. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est assez intéressant, avec bien sûr toujours moyen de consommer et de s'asseoir, et voilà. Donc là, ici, c'est la zone principale, enfin la zone principale, je sais pas, la place centrale, on peut dire un peu, donc finalement avec le Far Cry juste ici. Et donc j'ai mis les deux attractions, enfin surtout celle qui marchait le plus, c'était celle-là. Elle fonctionne, bon, habituellement c'est un peu plus élevé, mais on va voir par la suite. Et cette attraction-là ne marchait pas du tout. Mais là elle fonctionne un peu. Elle ne fonctionnait pas du tout, mais je l'aimais beaucoup parce qu'elle faisait vraiment référence à l'espace. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je l'ai quand même mise. Au niveau des files d'attente, bah voilà, voilà comment j'ai fait un petit peu, hein. Rien de bien sorcier, j'ai pas encore tout, tout fini. De même ici. Et j'ai fait des automations aussi, donc je suis assez content. Est-ce que là c'est le départ? Ah non, c'est la fin. Là vous voyez les flammes. Là c'est la fin de l'attraction, là je reconnais. C'est ça, là c'est la fin de l'attraction. Donc là on va juste faire un tour en entier. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai apporté de personnel que j'aime plutôt bien pour pas que ça fasse trop forain. Évidemment, bon là c'est pas forain non plus quoi, mais vous me comprenez. Donc en fait ce qui va se passer, donc ça commence à balancer. Là je l'ai en accéléré, hein. Ça commence à balancer et dès les premiers loopings il y aura les choses intéressantes. Donc dès qu'on va arriver au premier looping, voilà, là on y arrive. Maintenant, donc là, premier looping, normalement, on a les flammes pendant 5 secondes qui vont s'alterner et de la fumée qui commence à sortir. Ensuite, nouveau looping, on a, comment ça s'appelle? Des réacteurs et des lasers rouges. Je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, les effets comme ça. Le feu s'est arrêté, la fumée se dissipe un petit peu et voilà, donc toujours en haut, ça continue les lasers et les réacteurs, je sais plus comment ça s'appelle. Et une fois qu'on arrive de nouveau à la fin, dès que ce sera un petit peu terminé, je crois qu'il y aura de la fumée qui va revenir et quelques flammes qui vont réapparaître rapidement à l'arrière. Voilà, très rapidement les petites flammes. Et c'est sécurisé du coup. Bon, on voit pas comment c'est fait, le but c'est pas qu'on voie, hein. Je pense que je rajouterai des éléments pour faire genre qu'il y a tout un truc, parce que ça sort pas du sol. Mais bref, en tout cas c'est pas accessible. Donc voilà pour ce que j'ai fait ici. À noter que donc, et du coup en fait je suis content parce que ça rend plus épuré, il y a moins de trucs pour dire qu'il y a des trucs, c'est-à-dire que vraiment au début bah, c'est pour tester tu vois que je fais ce parc. Donc il y a beaucoup d'attractions qui n'ont pas de sens, qui sont à droite à gauche, et donc vous voyez, alors même si c'est pas réaliste parce que du coup je supprime des gros trucs, je les déplace, etc, etc, c'est le but du jeu, mais du coup ça fait qu'à la fin on va se retrouver avec quelque chose d'assez cohérent. Et du coup, bon bah ça a pas bougé, moi le bateau pirate j'aimerais vraiment le laisser là parce qu'il a vraiment sa place, mais les gens s'en foutent, et ça m'embête un peu. Il y a pas mal de monde par ici, cette attraction là je crois qu'elle marche pas trop, ah si ça va. Si ça va, mais en vrai il n'y a pas grand monde non plus quoi, en vrai. Il n'y a pas grand monde. Et là pour cette nouvelle attraction que je vais vous présenter, c'est normal s'il n'y a personne dans tous les cas, puisque ben c'est une zone qui est absolument pas connue quoi. C'est une zone qui est pas connue, il n'y a personne qui passe par là, il n'y a pas de boutique, il n'y a rien. Et vous voyez, ça fait le tour d'ailleurs par ici. Je me tâte d'ailleurs à supprimer ce restaurant et à faire autre chose et voilà, tout supprimer parce que ça ne fonctionne pas. J'avais mis même des restaurants spéciaux, donc j'avais tout enlevé, j'avais fait ici des restaurants, voilà. Bon du coup je l'ai, bah, il est ouvert, mais bon voilà, 2130 de déficit, on va rien dire là-dessus. Mais il n'y a personne qui vient ici en fait. Il n'y a personne qui vient ici malheureusement, donc je pense qu'ici on mettra des attractions ou d'autres trucs. Mais je vais enlever tout ça, c'est un petit peu dommage, c'est pas bien grave.
C'est un test, mais je supprimerai tout ça. Quelque chose de nouveau que j'ai fait aussi, c'est j'ai testé de faire une attraction ici. Donc ça fait deux attractions à tester dans cette vidéo. Deux on-ride que je vais vous proposer. J'attends vos retours. Mais je suis très mitigé pour les deux. On va commencer par cette attraction-là, si vous voulez. Donc c'est un Steel Avengers. Donc c'est une attraction hybride. Il y avait des abonnés qui m'avaient demandé que j'essaye de faire des attractions hybrides. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Il n'y a absolument aucun décor. Mais juste au niveau du tracé, pour voir un petit peu ce que vous en pensez, vous m'en direz des nouvelles. Mais comme dit, je suis assez mitigé. C'est pas ce qu'il y a de parfait, clairement. Vous allez m'en dire des nouvelles. Donc là, ça commence direct. Je crois qu'on a... Donc il y a 3 trains au total. Et sur chaque train, il y a 5 ou 6 wagons. Je sais plus, ça reste encore à confirmer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je crois qu'il y en a 6. Je sais pas trop compter. Donc là, on a une seule remontée d'ailleurs, je crois, de toute l'attraction. J'ai déjà oublié, à vrai dire. Et donc là, on est parti pour la descente. Oui, je sais, les remontées, ça s'appelle des lifts. Voilà. Donc c'est parti. J'ai essayé de faire au plus fluide. Après, voilà, comme dit, c'est pas parfait. Un premier looping. Ou une vrille, je sais pas trop comment on appelle ça. Bon là on voit rien du coup, mais en gros ça fait une tête à piquer. Et avec le recul, je suis encore plus mitigé de cette attraction parce que là elle est finie. Voilà, je vous le dis, elle est finie. Là on peut imaginer qu'il y a plein de décors, tu vois. Mais du coup là elle est finie. C'est vrai qu'elle est très courte. On entend le grand Utopia juste au-dessus. Et c'est vrai qu'elle est très courte. Donc je sais pas, vous m'en direz des nouvelles. Dans tous les cas, je la supprime si... Voilà, je pense que je la supprimerai si ça fait pas l'unanimité. Parce que dans tous les cas, ça ne servira à rien de la laisser là. Mais donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Je vous montre ce wagon là. Qui passe par ici. Là ça fait un plongeon. Et ça revient par là. Voilà. Tout simplement. Donc voilà pour cette attraction. Et maintenant l'autre qui est... Alors pareil, là je suis très mitigé parce que... En fait ça me désole un peu parce que j'avais vraiment envie d'exploiter cette zone aquatique. Parce que là si t'enlèves l'attraction ça fait tout vide. D'ailleurs à noter, du coup vous avez pas vu, mais du coup j'ai fait des pontons. J'ai mis des petits arbres. Voilà, des petits arbustes qui font plaisir. Donc là initialement t'avais une belle vue. Mais bon du coup maintenant il y a l'attraction qui vient un petit peu tout gâcher. Pareil, là le pont, tu peux passer par dessus, tac, et puis tu reviens à la zone Far West. Donc encore une fois, ce bâtiment, je pense que je le supprimerai, on verra. Bref, je vais vous faire un petit tour de cette attraction là, donc que j'ai appelé Sea Wave. Bon, je sais pas pourquoi j'ai envie de l'appeler comme ça, mais du coup c'est un basilisque. Voilà, le Sea Waves. Au niveau de la file d'attente, j'avais anticipé une longue file d'attente, mais bon, pour le moment les gens s'en foutent, c'est totalement normal. On est parti, messieurs dames. On est parti. On attend que le train parte et nous on va pouvoir y aller. Allez, c'est parti. J'ai vraiment misé surtout sur la roue libre. C'est-à-dire que là, il n'y aura qu'un seul lift. Sauf à la toute fin, du coup. Un seul lift. Et après, tout est en roue libre. Il n'y a pas de zone de freinage, il n'y a rien. Et donc, pareil, je suis assez mitigé, mais il y a un côté que j'aime bien. Donc, vous m'en direz des nouvelles. Il y a 3 wagons au total sur chaque train. Et je crois qu'il y a 4 trains au total. Allez, c'est parti. Donc là, je me suis fait plaisir avec des au bas. On passe en dessous du pont. Un premier looping. Voilà, ça redescend, ça remonte. Une vrille. Vous voyez, bon, c'est pas fluide partout. On passe à côté de l'attraction du Far Cry avec les jets d'eau qui partent dès qu'on passe. Vous voyez, ça secoue un petit peu pas mal, mais c'est pas non plus trop violent, quoi. Et là on se repose, c'est la fin en fait. Ah non, oui, attends, là il y a un petit truc à l'envers aussi, pour le plaisir. Juste histoire de se faire plaisir pour la route. Voilà, histoire de tremper, si t'as les cheveux longs comme ça, t'as les cheveux dans l'eau quoi. Et là c'est fini du coup. Tout était en roue libre. Juste là à la fin pour la montée, pour arriver de nouveau là, à la station quoi. Donc voilà, pareil, là vous m'en direz des nouvelles. Je suis assez mitigé. Pareil, hein, dans tous les cas, ça me dérange pas de supprimer les deux attractions que j'ai fait, c'est pas un problème. Mais...
faut me dire. J'ai pas envie. Je sais qu'ici c'est une zone qui serait parfaite pour du raft, faire du rafting. Mais franchement, c'est pourri, je vous le dis. Je suis pas un expert, mais sur Planet Coaster, les rafts sont, je trouve, mal faits parce que quand tu fais des descentes, c'est pas aussi bien fait qu'en vrai. Donc c'est très lent. Et c'est pas autant réaliste que ce que tu pourrais faire. Donc les rafts, je suis vraiment pas fan. J'ai pas envie de refaire une deuxième attraction comme celle-là, ce serait débile. Et je sais pas si je vais faire une deuxième fois les bûches. Je trouverais ça un petit peu con. D'autant plus que, ben, vous voyez que ça fonctionne très bien les bûches là-bas. Donc je sais pas trop encore. Vous m'en direz des nouvelles. Moi je suis assez content en tout cas, surtout du réagencement que j'ai fait, parce que ça fait vraiment du bien. Et on y voit un peu plus clair, on se concentre plus. Le parc est plus petit, mais du coup on va pouvoir plus le détailler au fur et à mesure. Et ça m'a permis de redonner un peu de renouveau, parce que du coup ça m'avait lassé. J'avais pas envie de retourner sur le parc parce que je voyais pas quoi faire, j'étais bloqué. Et juste en supprimant, genre j'ai fait ça, tac bam, j'ai tout décalé. Et ça m'a fait du bien et j'ai tout de suite compris quoi, ce que, là où je voulais en venir. Donc voilà, je suis assez content. J'ai hâte de voir vos retours. En vrai, de toute façon, ma zone préférée, ça restera toujours l'allée principale. Et puis voilà quoi. Le Grand Utopia, faudra vraiment que je m'amuse à y apporter des détails et que je fasse des éclairages. Ça, c'est le truc qui va m'aider à fignoler beaucoup de détails avec des décorations, etc. Le problème, c'est que les lampadaires, je suis pas fan. J'ai essayé de créer un truc, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez de ce lampadaire? Enfin, j'appelle pas ça un lampadaire, j'appelle ça un truc de stade de foot. Je l'ai fait moi-même, hein. Ça se voit, hein. C'est un peu éclaté au sol. J'ai voulu faire genre que c'était solaire. Bon. Pas persuadé du bail, mais au moins ça éclaire bien. Donc je sais pas, moi les lampadaires de base je suis pas fan, donc voilà quoi, je sais pas, vous m'en direz des nouvelles. Je trouve que ces lampadaires là n'éclairent pas assez, c'est bien dommage. Donc bon, à voir. Et avec le recul, je trouve que là c'est beaucoup trop, ça fait trop mal aux yeux en fait. Là je m'imagine dans la vraie vie, ça me ferait chier. Là ça me ferait très chier dans la vraie vie, c'est à dire que je vois pas au loin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bon bref, vous m'en direz des nouvelles. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Ça fait très 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 plaisir. Et j'ai hâte de voir vos commentaires évidemment. Voilà. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et pour des lives toute la semaine. C'était Mkolo, plein de bisous. Ciao tout le monde.